Depuis les bancs de l'école, chacun sait que la France est abondamment et harmonieusement pourvue en biens de la nature. On pourrait penser que ces provinces du Sud-Est, Languedoc, Dauphiné, Provence, sont sorties de terre au temps des fées. Qu'il s'agisse des chatoyants contreforts alpins, des verts tapis du lit de la Haute-Loire, des gorges de son sauvage affluent l'Allier, des Cévennes, leur commune source, de tous ces merveilleux paysages qui défilent ici, ou bien encore de l'éclatante dentelle haute en couleur du littoral méditerranéen, le touriste, même averti, passe de surprise en émerveillement. Quel voyageur n'a pourtant déploré son impuissance à saisir tous les aspects si rapidement changeants de ces paysages de rêve. L'un, dans son auto, ne pouvant quitter la route des yeux, ne gardera qu'un souvenir fugace des beautés qui le cernent de toutes parts. L'autre, en chemin de fer, voulant jouir du spectacle qui lui est offert, va de son compartiment au couloir et vice-versa, pas toujours avec succès d'ailleurs. Tout a changé pour ceux qui ont eu la bonne fortune, mais non le privilège, de voyager en autorail panoramique. Étrange sensation que d'embrasser à bonne hauteur et d'un regard circulaire ces panoramas grandioses, de les voir s'animer et comme se forger sous nos yeux. Forger, ce terme peut aussi s'appliquer à ce curieux adolescent confortablement vêtu dont l'élégante et insolite silhouette cache un corps solidement charpenté, renfermant un cœur d'acier, son moteur diesel de 800 chevaux. Une fois de plus, des Français ont véritablement innové. Nous voici dans le hall de montage du constructeur, où s'étire la chaîne des 10 autorails panoramiques commandés par la SNCF, encore à l'état de charpente, plus ou moins habillés. Ici, avant agrafage du revêtement extérieur latéral en feuilles d'aluminium, un épais matelas de laine de verre isolera le voyageur des bruits extérieurs comme des variations de climat. Là commence la mise en place des éléments en plastique. D'abord, l'avant aux couleurs claires, visible de loin, aux formes aérodynamiques, sorties du moule d'une seule pièce. Notez les phares incorporés. Puis les quatre éléments constituant le dôme, chacun formé de deux coques, l'une extérieure, l'autre intérieure, soudés ensemble dès leur sortie du moule pour ne constituer qu'un seul corps creux, très rigide, malgré sa légèreté exceptionnelle. Les joints, également en plastique, seront posés plus tard. Technique véritablement révolutionnaire à l'honneur de la Régie nationale des usines Renault. Voici arrivé le moment de placer les vitres aux formes complexes, aux qualités multiples, puisqu'elles doivent résister aux chocs, arrêter les rayons solaires les plus chauds et supprimer buée et givre grâce au fin réseau chauffant invisible qui leur est incorporé. Et hop, voilà en un tour de passe-passe leur montage ultra rapide dit « à la ficelle ». Le retrait de celle-ci provoque le sertissage sur la face de l'anneau de caoutchouc qui entoure la glace. Mais que d'efforts pour la mise au point de la méthode. Logé sous le plancher central, à côté du moteur diesel, autour maintenant de l'appareillage électrique, centre nerveux. Ne dirait-on pas un gros jouet brillant qu'on balance au bout d'une ficelle ? C'est pourtant maintenant une masse de 40 tonnes qui va être posée délicatement sur ces deux bogies. Elle atteindra alors 54 tonnes et, si les essais en ligne sont réussis comme ceux de ses prédécesseurs, roulera deux jours après à la vitesse de 130 km à l'heure. Mais avant la sortie d'usine, un dernier contrôle à marche lente est opéré. Sur le radiateur ventilé qui évacue l'excès de chaleur au moteur diesel de 800 chevaux, accouplé à la génératrice qui fournit l'énergie électrique au moteur de traction, sur le compresseur d'air et enfin sur la batterie d'accumulateur.
En somme, poumons, cœur, vaisseaux, ayant donné toute satisfaction à cette ultime auscultation, on procède maintenant aux essais statiques. Dûment lesté, c'est la pesée en charge. Parfait, le résultat est conforme au calcul. La différence entre roue droite et roue gauche d'une part, avant et arrière de l'autre est insignifiante, équilibre prometteur d'un excellent confort. Sur une voie volontairement inclinée, l'autorail avance lentement. Les ressorts de suspension font pencher la caisse de l'angle voulu, et cela toujours par souci du confort de ses futurs usagers. Après les essais statiques, essais en ligne sous la direction des techniciens spécialistes. L'autorail est lesté de sacs de sable figurant les voyageurs. On procède ici au relevé des températures caractéristiques du confort. Celle du dôme, puis celle de l'air filtré qui sort, chaud ou froid, suivant la saison, des gaines de soufflage. Sur cette section de ligne où la vitesse peut atteindre 120 km à l'heure, on se prépare à un essai des freins. Déclenchement de l'enregistreur. Le frein entre en action. Ralentissement. Et c'est l'arrêt. On repart. Cette ligne de montagne va permettre au diesel et à la transmission électrique de développer en côte toute leur puissance. Celle-ci est enregistrée pendant la rude montée du col de la Croix-Haute, sur la ligne Grenoble-Marseille. On franchit le col, nous descendons maintenant sur la Provence. Cet appareil enregistre les oscillations verticales et transversales qui se révèlent exceptionnellement faibles. Il en sera de même des bruits grâce à un plancher épais de 130 mm garni de matériaux insonorisants. Les essais terminés, les résultats en sont communiqués à l'ingénieur en chef des études d'autorail, animateur de cette solution ferroviaire originale qui, n'en doutons pas, ne peut être que bien accueillie par le voyageur sensible aux beautés de la nature et soucieux d'être transporté confortablement. Mais n'insistons pas, et le mieux afin de s'en convaincre est de parcourir avec eux les paysages qu'ils sillonnent de leurs traits rapides et colorés, car déjà nos autorails sont parvenus à leur base, Marseille. Marseille, ce grand port méditerranéen, est aussi un nœud ferroviaire dont l'importance va toujours croissant. Pour nos autorails panoramiques, il est le pivot d'un large éventail dont les contours sont Narbonne, Clermont-Ferrand, Le Mont-d'Or, Vichy, Digne, Grenoble, Genève et Nice. Puisque notre propos est maintenant de parcourir les principales lignes desservies, nous commencerons par le secteur nord-ouest de l'éventail. En route, nous voilà partis vers Nîmes, Clermont-Ferrand et Vichy. Nous traversons la banlieue marseillaise qui bientôt ne sera plus qu'un souvenir. Le soleil provençal, si spécial selon les poètes méridionaux, justifie ici l'emploi du store qui diffuse agréablement ses rayons. «
C'est après Nîmes que commence la rude montée vers les monts de la Lozère et c'est là que le panoramique permet aux voyageurs tranquilles de découvrir l'ensemble d'un paysage qui se transforme et se tourmente à l'approche des montagnes. La Bastide Saint-Laurent. Nous sommes à 1024 mètres d'altitude, presque aux sources de l'Allier. Quelques flocons de neige nous accueillent en silence, comme pour nous reposer du soleil de la bruyante Marseille quittée quelques heures plus tôt. Non sans regret, nous laisserons ici notre confortable transport continuer sa course vers Vichy, pour aller maintenant suivre quelques méandres pittoresques du secteur nord-est sur la grande relation Genève-Grenoble-Marseille. Nous voici déjà à Grenoble, métropole de la Houille Blanche et centre touristique des Alpes françaises. C'est donc de cette capitale économique et intellectuelle du Dauphiné que nous partons cette fois pour rejoindre Marseille par la route ferroviaire des Alpes. Elle ne manque pas d'être fertile en panoramas sans cesse renouvelés qui doivent être admirés en toute quiétude par le voyageur, dans une douce ambiance, malgré les températures si changeantes et parfois rigoureuses du climat alpin. Cette curieuse manifestation de la nature, flanquée de quelques modestes habitations, est connue sous le nom de l'Aphorie. Et c'est ici que débute le caractère provençal du paysage, avant de s'affirmer définitivement à Sisteron, ce grandiose portail de la Provence. Toutes ces vues, tous ces tableaux brossés par quelques génies célestes, nos voyageurs les contemplent sans être troublés par le sourd ronflement des 800 chevaux du moteur diesel qui pourtant sous leurs pieds tourne inlassablement. Nous approchons de Marseille. Au loin, voilée d'une brume légère, voici Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, comme disent les enfants de la grande cité phocéenne. Bientôt, après s'être faufilé parmi le complexe invraisemblable de voies et d'aiguilles, le hall de la gare Saint-Charles qui nous accueille va nous voir repartir sur un des trajets les plus merveilleux du monde, la Côte d'Azur. Attelé de trois remorques, notre panoramique se dirige donc cette fois vers la reine de la Provence, la ville aux fleurs, Nice la Belle. Impeccable dans sa combinaison d'uniforme, le conducteur élance son convoi à l'assaut de ces paysages, tour à tour sauvages ou grandioses, qui ici se passent de tout commentaire. Le terminus. Nice, c'est la fin d'un voyage confortable et magnifique. Hélas, bien court, mais qui nous laissera le souvenir inoubliable des paysages qui furent largement offerts à notre admiration.